là, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je regarde comme d'habitude qui est là et je vais saluer tout le monde. La politesse, c'est fondamental. Quand on rencontre des gens qui ne sont pas polis, c'est toujours... Ah, pour moi, c'est toujours un problème. Alors, Stardust est là. Bonjour Stardust, combien de doigts aujourd'hui? Souvenons-nous que Stardust a commencé avec 4 doigts qui étaient opérationnels. Hier, c'était un jour formidable, puisque c'était 5 doigts. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est 6? Ou encore 5, on ne sait pas. Luciana, bonjour. Yossi est là aussi, bonjour. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, parce que ça discute. Renato Silva est là. Andrea, bonjour. Ah oui, ça papote. C'est bien. Victoria Posse est là. J'essaye de voir les gens qui sont là. Sundar est là aussi. Coucou Sundar. Andrea qui continue. Écoutez, Cosmina est là. Victoria Posse, je l'ai déjà dit. Bickert est de retour. Coucou Bickert. Ça faisait un petit bout de temps. Propos, bonjour à vous. Propos 5. Attendez, j'ai besoin de partir tôt et d'aller... Vous allez vous faire vacciner, propos 5. Super. Faites-vous vacciner. Moi, j'aimerais bien qu'on me vaccine. Paula, bonjour à vous. Mélodie est avec nous aussi. Neha est là. Je regarde les autres personnes. Mais écoute, j'espère que je n'ai oublié personne. Et Stardust nous confirme que c'est 5 doigts. Oui, mais attendez, Stardust, le week-end, les doigts vont se réveiller. Cheryline nous rejoint aussi. Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que tout va bien. N'oubliez pas de cliquer, ça me ferait très très plaisir. Aujourd'hui, ce sera un artiste différent d'hier. Alors, Nancy de Success nous rejoint et Taiwo, coucou, comment ça va? Ça va très très bien. N'oubliez pas de rejoindre la communauté si vous le désirez, ça me ferait très plaisir. Hima Bindu est là aussi, bonjour à vous. Allez, le mot de la semaine, puisque nous sommes samedi, et comme nous sommes samedi, nous pouvons nous retourner pour voir... Comment était notre semaine? Personnellement, ma semaine était haute en couleur et émotionnellement très forte. Marlis, bonjour à vous. Allez, quel est pour vous le mot de la semaine? Un mot qui pourrait décrire votre semaine, pas uniquement votre journée, mais votre semaine, s'il vous plaît. Alors, Daria nous rejoint. Bonsoir Daria, j'espère qu'il ne fait pas très ou trop froid chez vous. Ici, il fait froid. Alors, Yesero qui commence. Et Yesero nous dit... L'espoir, et ça c'est pas mal ça, l'espoir c'est bien, Daria Lupin. Alors la série ou les livres? Ou est-ce que peut-être la série vous a donné envie de lire les livres? Parce que c'est vrai que ben, y a pas mal de livres et c'est assez sympathique à lire. Luciana, apprentissage, Stardust qui nous dit... Heureux. Paula qui nous dit solitude. Laura qui nous dit calme. Nels Abrams qui nous dit heureux d'être ici. Écoutez, heureux de vous retrouver, Nels Abrams aussi. Un mot, s'il vous plaît. Andrea, étude. D'accord. Cassandra qui nous dit heureuse. Ça, c'est chouette. Bickert qui dit ma semaine était assez productive. Productive, c'est bien. Daria, il fait froid aussi. Ah, il faut mettre... Et le bonnet, hein. Le bonnet élégant et il faut protéger les oreilles. Julie qui nous dit « contente », ça c'est bien. Julia qui dit « paresseuse », eh ben c'est pas mal. Paresseuse, de temps en temps, c'est bien. À mon avis, c'est aussi une bonne chose. Sundar, étude. Hillary qui nous dit « triste ». Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Hillary? Nous allons essayer de faire sourire Hillary. Moi aussi, elle était un petit peu triste, mais heureusement que nous sommes ensemble. Mélissa qui nous dit « bénédiction ». Yann Arte qui dit « comme si
comme ça, d'accord. Il y a des semaines comme ça, il y a des semaines. Victoria Posset, attente pour vaccin ou la liberté totale. Ah, moi, j'attends de pouvoir voyager. J'ai envie de voyager, là, c'est terrible. Vous, cela, tranquille. Daria qui dit la série Lupin, donc avec Omar Sy, qui est assez sympathique. La deuxième saison, c'est pour l'été. Donc ça va vite arriver. Yossi qui nous dit piétiner sur place avec le français. Non, c'est normal Yossi. Il y a des plateaux. Hein. Il y a des phases, des plateaux. Il y a des cycles. Donc il faut attendre. Papillon 97. Bonjour. Mélodie qui nous dit au Pérou il fait trop chaud. Profitez. Profitez, parce que quand il fait froid, c'est moins drôle. Renato qui nous dit espoir et Papillon qui nous dit miel. Alors, Ravija qui nous dit troublant et Berilla qui nous rejoint. Coucou Berilla, vous pouvez participer. Alors, comme c'est l'actualité, puisque demain, je ne sais pas si vous fêtez ça, si c'est important pour vous ou pas, on va en parler un petit peu plus tard, mais demain, c'est la Saint-Valentin pour certaines personnes, eh bien, ça a une importance assez grande. Alors, la question du jour, c'est une question qui est liée à l'amour, la Saint-Valentin. Question, faut-il toujours écouter notre cœur et pourquoi ? À votre avis, est-ce qu'on doit toujours écouter son cœur, oui ou non, mais surtout expliquer avec une phrase, s'il vous plaît. Pas vu le mot de Cosmina, oblative. Et Cheryline, c'était assouplissement. Alors, Luciana qui est en première position et Luciana nous dit oui, parce que notre cœur sait des choses que notre raison ne peut pas voir. Yossi qui nous dit on peut l'écouter, mais d'autre part, il faut réfléchir aussi. Andrea qui dit je l'écoute pour surveiller les battements. Et ça, c'est la bonne technique. Heureusement, si vous n'entendez pas le battement, est-ce que vous pouvez entendre ? Ça, c'est une autre question. Paula, je ne pense pas qu'il faille toujours l'écouter, mais au moins lui donner la parole. Nels qui nous dit, c'est pas nécessaire. Si j'écoute mon cœur, je mangerai de la malbouffe toujours. C'est vrai que c'est le risque, hein. C'est le risque parfois. Notre cœur nous dit de consommer des choses qu'il ne faudrait pas. Ravija, je crois que c'est très important d'écouter son cœur, mais c'est le manque ou la marque des courageux.
D'accord. Yessero qui nous dit « Oui, car les émotions font que la vie vaut la peine d'être vécue. » Très bien. Mélissa Madrid a retiré son message. Mélissa, hier, on avait votre photo. Et Mélissa, je vous dis merci pour la photo. C'était très sympathique. On a fait un petit exercice avec votre passion de la musique. C'était la dernière question, je crois, qu'on a faite hier pendant le cours. Alors, ensuite, Laura qui dit, oui, mais je n'ai pas d'idée de pourquoi, d'accord. Mercurialman qui nous dit, je n'ai pas de cœur. C'est vrai, c'est comme dans cette histoire du magicien d'Oz, vous vous souvenez, ce personnage qui n'a pas de cœur. Bickert qui nous dit, oui, il faut toujours écouter notre cœur, mais... un peu avec ma logique. Ah d'accord. Julia, il faut écouter notre cœur, mais d'abord, c'est important d'être sûr que c'est notre cœur qui parle et pas une autre partie de notre corps. Stardust qui nous dit « Non, cela n'a pas à être. Parfois, il vaut mieux écouter votre esprit pour éviter la douleur ou une expérience désagréable. » Cassandra qui nous dit « Oui, parce qu'il vous dira toujours la vérité. » Victoria Posse, je pense que non. Le cœur n'est pas toujours raisonnable. Daria, il ne faut pas toujours écouter notre cœur. C'est bon d'utiliser le cerveau aussi et de penser rationnellement et d'analyser la situation. Renato, bien sûr, parce que je n'écoutais pas mon cœur et maintenant j'ai une tension artérielle élevée. Ah, c'est vrai, dans ces cas-là, il faut l'écouter. Cosmina, ça dépend de la situation. Comme j'ai dit autrefois, nous avons tous un sixième sens qui nous dit ce qui est bon ou inapproprié pour nous. Oui, c'est vrai, vous aviez parlé de la petite cloche, je m'en souviens. En tout cas, je crois que notre cœur est bien lié à notre cerveau, c'est quelque chose d'inconscient. Ah, d'accord. Olga nous rejoint. Bonjour ou bonsoir. Berilla qui nous dit « Je suis allé au travail, j'ai dû écouter mon programme de travail. » Ah, d'accord. Oui, mais nous parlons du cœur. Vouslat, il faut toujours écouter notre cœur, mais il ne faut pas oublier de se raisonner. Omar qui nous rejoint, bonjour Omar. Koloud qui nous dit non, parce que mon cœur est très fou. Ah ben ça c'est une qualité aussi peut-être. Cathy qui nous dit non, parce que le cœur est trompeur. Des fois, on pense qu'on prend la bonne décision en l'écoutant, mais non. Sundar qui dit il ne faut pas écouter. Il ne faut toujours pas écouter notre cœur et c'est nécessaire d'écouter notre cerveau aussi. Et Ice Cubes qui nous dit « Bonsoir Ice Cubes, on connaît votre position sur le cœur. » Je me souviens de l'histoire. Yvette, bonjour. Et Hillary qui nous dit « Oui, la première impression est généralement correcte. » Ah ben oui, mais est-ce que c'est la première impression, Hillary, c'est celle qu'on a avec le cœur, avec les sens ou avec le cerveau? Ça, c'est pas clair. Alors attendez, Cheryline, parce qu'elle a écrit à une longue chose, donc on va prendre le temps de lire ce que Cheryline a dit. Cheryline nous dit, avec un stéthoscope, oui, c'est vrai, c'est très intelligent. Non, sauf si vous avez une arythmie cardiaque. Blague à part, non, car ce n'est pas toujours rationnel. D'autant plus qu'il se peut, il peut se réguler intrinsèquement dans l'intervention du cerveau. Très bien. Allez, on y va. Alors, vous le savez, hein, on les fait tous les jours, c'est les nombres. Et les nombres, eh ben, on va commencer avec un chiffre. Voilà, on y va. Ça va être relativement facile. Je le dis une seule fois. Puisque c'est le niveau avancé, on va essayer une seule fois. D'accord ? Là, ça ne devrait pas être problématique. Attention. 9. Thank you.
Alors là, oui, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord. C'est 9. Yesero qui rit. Alors, Julien, niveau avancé, mais c'est samedi quand même. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le samedi, c'est comme les autres jours. Allez, deuxième, nous aurons deux chiffres. Même chose, une seule lecture. 75. Alors, je regarde, ça va très très vite. Je dis bravo, attention, Yann Arte, c'était pas 65, c'est très très proche, c'était 75. Hein. Hillary, attention, c'était pas 74, mais c'était juste après 75. D'accord ? Allez, troisième, donc bien sûr, trois chiffres. Même chose, une seule lecture. 902. Alors, Nouhaïm nous rejoint. Bonjour, bonjour, participez. On est en train de faire la dictée de nombres. Et là, je regarde et je dis bravo. Bravo, bravo. Donc, c'était 902. 902. Et je vois que tout le monde a trouvé. Donc, c'est bien. Allez, on continue. Quatrième. Et bien évidemment, quatre chiffres. Même chose, une seule lecture. 3417. Allez-y. Alors, eh bien, là aussi, quelle fierté d'avoir des étudiants comme vous. C'est très bien, c'est très bien. Donc, effectivement, 3417, c'était très bien écrit, 3, 4, 1 et 7. Allez, le cinquième, bien évidemment, 5 chiffres, même chose, une seule lecture. 82 692. Allez-y. Alors, eh bien écoutez, c'est très bien. Attention, Bickert, vous étiez un petit peu trop généreuse. Mélodie, attention, ça n'était pas 80 000, mais 82 000. D'accord ? Donc, 82 000. Ensuite, 600. Attention, la difficulté, c'était 80 000.
92. Hein. Donc, Cassandra, attention, c'était 82. Vous avez écrit, c'est 92. Il y a d'autres personnes, je pense. Sundar, oui, vous avez entendu 82, mais c'était 92. Massoud aussi, faites attention, Massoud, ça n'est pas 82, mais 92. Allez, on continue. 6. Oh là là, 6 chiffres. Une seule lecture. Et effectivement, comme Daria vous le demande très poliment, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like si vous êtes arrivé, puisque mon objectif personnel, c'est d'atteindre 100 likes. Pour ce cours, ce serait très gentil. Merci. Attention, je lis ce nombre. 121 076. Alors, Rock Ottolani nous rejoint. Bonjour, bonjour, Rock. Nous faisons actuellement des dictées, une dictée de nombres. C'est presque la fin. Alors, ça commence à arriver et je dois dire que c'est très bien. Yossi, première position et c'est parfait. Paula, presque, c'est juste la fin, regardez. Vous avez écrit 67, Paula, mais en fait, c'est 76, d'accord? Donc ici, 121 000, d'accord? 121 000 et ensuite 76, on ne prononce pas le zéro. D'accord ? 121 076. Ayoub, bonjour mon prof, j'espère que tu vas bien, merci pour tout. Merci beaucoup Ayoub, j'espère que vous allez très très bien aussi. Et je vous en prie, ça me fait plaisir si vous pouvez utiliser les vidéos et participer au cours et faire les exercices. C'est mon plaisir. 121 000 76. Et le dernier, Yupi Yukaida, 7. Et donc, bien sûr, 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous entrons dans les millions. C'est le dernier. Je vais le lire, allez, deux fois. Comme je suis très gentil, je vais le lire deux fois. 8 271 893. 8 271 893. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je suis en train de regarder, c'est difficile parce que des fois, c'est... il n'y a pas d'espace. Je mets les espaces justement pour visualiser plus clairement, sinon c'est compliqué. Donc ici, 8 millions, donc 8, on est d'accord, ça c'est pas très très complexe. Après, 271, 2, 7, 1, 1000. Et finalement, 893. Je regarde. J'ai l'impression que c'est bien. Et c'est bien pour le 93. Hein. Ça, c'est bien parce que les personnes qui ont fait l'erreur tout à l'heure n'ont apparemment pas reproduit cette erreur. Donc ça, c'est bien. 8 271 893. Laura qui est la dernière. Mais c'est pas grave et c'est très très bien. Merci beaucoup.
Alors, je dois faire la police des likes, parce que vous êtes 83 personnes, et ça, ça fait toujours très très plaisir, mais il n'y a que 57 likes. Si vous êtes juste arrivé, que vous n'avez pas eu le temps de cliquer sur le petit like, s'il vous plaît, faites-le, c'est très très gentil. Alors, Ruben qui dit « Salut du Brésil Vincent, merci beaucoup pour vos vidéos, je vous en prie Ruben, mais il faut participer aux cours. On a des cours tous les jours, vous faites des exercices, c'est complémentaire. » Comme ça, vous pouvez apprendre des choses. Et quand vous êtes avec nous, eh bien, déjà, l'ambiance est bonne. Et en plus, vous pouvez pratiquer. Julia qui dit, c'est quoi ce liquide vert? Une sorte de café. Eh bien, peut-être, on ne sait pas. Alors, nous sommes d'accord hein, que c'est l'ambiance Saint-Valentin. Mais l'ambiance Saint-Valentin dans tous les sens, c'est-à-dire on est heureux, on est malheureux. Avec le cœur, on ne sait jamais ce qui peut se passer. À votre avis, quelle est la meilleure méthode pour guérir d'un chagrin d'amour? Si vous avez un chagrin d'amour que la Saint-Valentin arrive, ce n'est peut-être pas quelque chose de très agréable. Quelle est la meilleure méthode pour guérir d'un chagrin d'amour? Allez-y. Alors Ruben, c'est tous les jours. Tout... je regarde Julia en même temps. Attention Ruben, je vous parle. Je ne regarde pas ce que Julia écrit. On ne sait pas. Ruben, c'est tous les jours sauf le dimanche à la même heure. Vous pouvez participer, vous êtes le bienvenu. Alors, Andrea qui nous dit eh bien, que finalement, la meilleure méthode pour guérir d'un chagrin d'amour, c'est de parler à sa mère. Hero King qui est assez clair, le remplacement. Ah, c'est brutal. Nel Sabram, que ça fonctionne, c'est le temps. Eh bien, voilà. Donc, c'est le temps qui guérit. Alors, pour Nel, c'est le temps. Pour Iroking, c'est le remplacement. Pour Andrea, c'est parler à sa mère. Yesero qui nous dit, en effet, la meilleure méthode pour guérir d'un chagrin d'amour est le passage du temps. Yossi qui nous dit, la meilleure méthode serait de trouver un autre amour. Alors, Yossi rejoint Iroking, qui est cette notion du remplacement, c'est-à-dire un nouvel amour finalement. Bickert, à mon avis, il faut beaucoup de temps et parler, partager avec quelqu'un. Mercurial qui nous dit « Ma méthode est de sortir et d'en trouver une autre ou un autre. » C'est le même concept, hein. Bon, si vous voulez. Ensuite, je regarde. Alors, attendez, Ravija qui nous dit pour guérir d'un chagrin d'amour, eh bien, c'est presque impossible. Laura qui nous dit manger du chocolat. Peut-être. Mélodie, le temps, oui. Simar qui nous rejoint. Bonjour, Simar, participez. Cosmina qui nous dit qu'est-ce qu'un chagrin d'amour? Ça, c'est la première chose. Définissons les choses. Un vrai d'amour doit apporter le bonheur, de la paix, des ailes et pas de chagrin. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Olga qui nous dit... Ah ben non, oui. Qu'est-ce que... Hein, pour guérir d'un chagrin, Olga. D'accord, vous n'avez pas donné de réponse. Vous, Slat, il faut sortir avec les amis, faire du sport chaque jour. Mélissa Madrid qui nous dit accepter la réalité. Hillary qui nous dit, ce sont la sincérité, la gentillesse et de la bonne nourriture. Luciana qui nous dit, à mon avis, la meilleure méthode pour guérir d'un chagrin d'amour, c'est de plonger dans les choses qui nous donnent du plaisir. Omar qui nous dit, je pense que la meilleure option, c'est de chercher une autre personne avec une bonne énergie. Hero King qui... Ah, c'est le proverbe qui vient pour aider. Un clou remplace un autre.
Mais je fais du bricolage, mais c'est pas possible. Daria, il faut se concentrer sur l'énergie et sur les choses positives. Devenir la meilleure version de vous-même. La lecture, le développement personnel et le sport. Sundar qui nous dit « La meilleure méthode est de parler, de sortir avec d'autres personnes. Yulia, ma méthode ne vous plaît pas. » J'ai pas vu, Yulia, j'ai pas vu votre méthode. Oh. Alors attendez, je vais remonter. Yulia, je n'avais pas vu votre méthode. Ah, une bonne bouteille de vin. Ah, je croyais que vous parliez de mon liquide vert. Donc, Yulia pense que c'est une bonne bouteille de vin. Bah oui, c'est une bonne méthode aussi, probablement, avec modération. Ruben, la meilleure façon de guérir d'un chagrin d'amour, c'est de tomber en amour pour toi-même. Comme ça alors, c'est ça, c'est « Oh, je t'aime ». Aimerais l'impressionner avec ma propre compétence. Très bien. Victoria Possé, à mon avis, c'est le temps et faire du sport. Cherylyn, qui dit « Prenez de la nitroglycérine ». Quoi ? Cela apportera un soulagement rapide. Ça fait boum après, hein. C'est une sorte de boum. Blague à part, écrivez des lettres, mais ne les envoyez pas, c'est très cathartique. D'accord. Mélodie, faire des choses que tu aimes, très bien. Kouloute qui nous dit, manger. Tout simplement, manger, et c'est vrai que le corps est heureux quand on mange. Olga, oui, les chocolats sont très bons. Yann Arte qui nous dit, faites du sport. Renato qui dit, chacun doit être séparé pendant un mois. Mélodie qui dit... Ah oui, donc Mélodie, elle est d'accord avec Yulia. Ben, vous voyez, Yulia, tout le monde est d'accord avec vous. Cassandra qui dit, la meilleure méthode est de trouver un petit ami pour sortir le plus tôt possible. Ah, donc c'est le concept de Hero King, c'est-à-dire un clou remplace un autre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que les gens du samedi, hein, et pourtant c'est les mêmes, est-ce que vous n'avez pas envie de cliquer sur le like pour que je puisse avoir 100 likes? Ce serait un minimum et je serais très heureux. Et Roubem, merci beaucoup Roubem. Roubem, attendez, regardez. Voilà, je salue la générosité de Roubem qui m'offre un café. Et vous savez que j'aime beaucoup le café, donc c'est très très gentil, merci beaucoup. Le verbe du jour. Alors le verbe du jour, nous avions déjà eu l'occasion de travailler, il n'y a pas très longtemps, sur le verbe vacciner, mais on avait travaillé sur le verbe vacciner au passif. Hein, parce qu'effectivement, dans la plupart des cas, vacciner, on utilise plutôt la forme passive. Là, je me suis dit que peut-être nous pourrions continuer dans cet esprit de forme passive. Donc, nous allons, en fait, conjuguer le verbe inviter, qui est un verbe très régulier, on est d'accord. Le verbe inviter, on va uniquement le conjuguer à la forme passive, mais bien sûr, pour compliquer un tout petit peu, à la négation. D'accord ? Donc, forme passive négative. Regardez. Donc, ça, c'est les temps qu'on va faire. On ne va pas tout faire, ce n'est pas la peine. On va se concentrer sur ces temps-là. Et donc, ce sera uniquement pour chaque temps « je », comme d'habitude, à la forme passive et forme négative. D'accord ? On attaque avec le présent, s'il vous plaît. Invité, présent, forme passive, négative, s'il vous plaît. Alors Omar qui nous dit « Cherylyn aujourd'hui est le médecin de l'amour ». Oui, mais n'oublions pas, Omar, que Cherylyn a parlé de nitroglycérine quand même. Et ça, non, 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 non.
Bon, alors, je regarde en même temps. Oui, effectivement. Hein. Donc, on est d'accord que quand on parle du passif, on va utiliser, eh bien, être. Être devra être conjugué, eh bien, au présent, puisque là, c'est le présent. On va mettre la négation avant et après. Et on va finir avec notre participe passé invité. Souvenez-vous, en option, eh bien, on mettra le féminin. Puisqu'on utilise être, on doit avoir cette possibilité de marquer le féminin si le sujet est féminin. Ice Cubes, il n'y a pas de passif passé simple. Si, 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 Ice Cubes, il y a du passif pour toutes les formes, mais j'avais juste choisi de faire ça pour voir. Et puis après, on va continuer avec le passé simple. Ne vous inquiétez pas, Ice Cubes. Allez, on y va. Futur simple, toujours invité, passif. Forme négative, s'il vous plaît. Et Yulia qui résume, effectivement, donc du vin avec de la note d'hydroglycérine, manger, mais manger du chocolat principalement hein, quand même, c'est ce qui ressortait, et faire du sport après, ça c'est nécessaire aussi. Cheryline qui nous... Avec vous, on apprend des choses, c'est formidable. Cheryline nous dit, moi j'imaginais que c'était pour les bombes, hein, la nitroglycérine, c'est un traitement recommandé pour l'angine. Est-ce que d'une certaine façon, Cheryline, eh bien la maladie d'amour pourrait être traitée avec la nitroglycérine? Peut-être que vous avez quelque chose, l'invention, c'est même pas l'invention du siècle, hein, c'est l'invention de tous les temps. Alors ici, hein, finalement, nous allons voir que c'est relativement simple, puisque ici, vous devrez tout simplement conjuguer le verbe être aux différents temps. Donc, je ne serai pas invité, même chose, on marque le féminin en option. Très bien. Allez, on continue avec le passé composé. Alors là, on va voir le passé composé du verbe inviter. Eh bien, toujours au passif et à la forme négative, s'il vous plaît. Romain nous rejoint. Bonsoir, bonsoir. Participez. On fait de la conjugaison passif, négation. Alors Cosmina qui donne des spécifications, des précisions plutôt. Le TNT c'est pour la bombe. Ah bah oui, non, je d'accord, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Alors on y va. Souvenons-nous ici que le passé composé du verbe être, eh bien, c'est j'ai été. D'accord ? Donc, on utilise « avoir » pour mettre « être » au passé composé. Donc, on doit avoir ce passé composé-là. « J'ai été ». Ensuite, vous allez introduire la négation. Souvenez-vous, la négation, temps composé, toujours avant le verbe que vous utilisez « avoir » ou « être ». Donc, « je ne ». Après, vous mettez « avoir ».« Ai pas été ». « Je n'ai pas été. » Nels, est-ce qu'on prononce le S dans le mot pas? Non, on ne le prononce pas, mais si vous avez une voyelle après, Nels, on va faire la liaison. Là, par exemple, je n'ai pas été, je vous fais la liaison, je n'ai pas été. Hein. Mais on ne fait pas de pause, c'est le concept. Si vous faites une liaison, il n'y a pas de pause entre pas et été. Pas été. Je n'ai pas été invité, féminin, masculin, comme d'habitude. Je regarde, j'ai l'impression que c'est bien, hein, c'est assez bien, donc pas de problème. Allez, on continue avec l'imparfait, s'il vous plaît. Imparfait du verbe inviter, toujours au passif et forme négative, merci.
Alors, Emre qui dit, est-ce qu'on peut faire le futur intérieur conditionnel passé? Oui, en général, on peut le faire, c'est pas un problème. On va le faire dans les prochains cours, ne vous inquiétez pas. Mais c'est relativement mécanique, finalement. Hein. Donc ici, encore une fois, on utilise « être », qui doit être à l'imparfait, « était ». E accent aigu, T-A-I-S. On va mettre la négation, comme d'habitude, avant et après. Je n'étais, donc N apostrophe, pas. Et ensuite, vous allez mettre votre invité. Et donc là encore, hein, liaison, je n'étais pas invité. Allez, on continue avec le plus que parfait, s'il vous plaît. Alors, c'est Yossi qui est le premier, et je dis bravo Yossi, bravo, bravo, regardez, donc Cosmina juste après, d'accord, donc il met le féminin, Cheryl qui met les deux options, c'est très bien. Donc là, encore une fois, hein, donc plus que parfait, c'est le deuxième temps composé qu'on voit, en général après le passé composé dans notre liste. Donc ici, on va utiliser, encore une fois, avoir, et puis on va le mettre, eh bien, à l'imparfait. Je n'avais... Deuxième partie de la négation, pas, été, et après vous finissez avec votre participe passé. Je n'avais pas été invité. Voilà, féminin, si vous êtes eh bien, une fille ou une femme. Futur antérieur, eh bien, il est là, regardez. Donnez-moi le futur antérieur du verbe inviter. Passif négatif, s'il vous plaît. Alors, puisqu'ici on parle du futur antérieur, ça veut dire que c'est le futur et c'est pas le conditionnel. Faites attention, ça c'est une erreur qui est assez classique. Julia, vous l'avez fait. Donc, pas de S à aurait. Puisqu'ici, notre forme aurait, ça doit être au futur. Hein. Je n'aurais, comme d'habitude, puisque c'est un temps composé, le pas il arrive juste après avoir. Je n'aurais pas. Été, et donc là, Nels, hein, la petite liaison, je n'aurais pas été, et on finit avec, bien sûr, notre participe passé masculin ou féminin. Je n'aurais pas été invité. Allez, on continue avec le conditionnel présent, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver et je dis bah, bravo. Donc là, encore une fois, notre verbe être que nous devons mettre eh bien, au conditionnel présent serait S-E-R-A-I-S. On n'oublie pas le S puisque c'est le conditionnel. Donc, je ne serais pas et on finit avec invité. Toujours pareil, masculin ou féminin. Allez, on termine, youpi youpi, avec le subjonctif présent. «
Alors Sundar qui dit « Oh là là, je vais travailler avec ce sujet après la fin de la leçon. » Ouais, c'est le passif. Sundar, ce qui est très important en fait, vous allez voir que c'est relativement logique, mais l'idée c'est uniquement de travailler sur être. À chaque fois, remarquez, hein, c'est uniquement être qui va changer en fonction du temps. D'accord ? C'est la seule chose. Et puis bien sûr, la difficulté quand vous avez les temps composés avec le positionnement de la première partie de la négation et de la deuxième. C'est juste ça qui est un petit peu compliqué. Mais faites des exercices systématiques et vous allez voir, il n'y aura pas de problème. Alors, ben là encore, hein, encore une fois, donc on reste dans la logique, c'est-à-dire la logique, c'est qu'on utilise « être ». Être, on va le mettre, eh bien, au subjonctif présent, je sois, que je sois. Ensuite, on commence à introduire la négation, que je ne sois pas. Et on finit tout simplement avec notre participe passé que nous avons eu tout le temps. Masculin si vous êtes un homme, féminin si c'est si vous êtes une femme. Et Emre qui dit, est-ce qu'il est possible d'utiliser le futur après une phrase au subjonctif? Donnez-moi un exemple, Emre, parce que là, des questions qui volent comme ça. Allez, n'oubliez pas, c'est incroyable. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous devriez tous cliquer parce que, oh, c'est pas possible. Est-ce que ce sera totalement impossible d'atteindre les 100 likes? Alors là, je dois dire que je serai un homme triste. Un homme triste. Et ça, c'est pas gentil. À votre avis, que vient-il de comprendre? Que vient-il de comprendre? Puisqu'on a le sentiment quand même qu'il vient de comprendre quelque chose. Quelque chose vient de se passer et il réagit comme ça. Vous avez une petite minute pour me dire ce qu'il vient de comprendre. Emre, il faut que j'irai... Non, Emre. Dans ce cas-là, il faut que direct subjonctif. Là, c'est pas possible. C'est pas possible de mettre un futur. Voilà, je réponds à votre question. Alors, c'est Luciana qui est en première position et qui nous dit qu'il vient de réaliser, de comprendre qu'il est perdu. Faites attention, Luciana, pas de E à la fin, parce que si vous dites « je suis perdu » avec le E, eh bien, c'est pour une femme, c'est le féminin. Yesero qui nous dit « il a trouvé l'endroit sur la carte où il doit aller ». Ah, vous pensez que ça explique cette expression incroyable qu'il a? C'est possible, effectivement. Yossi qui nous dit « il a compris que son navigateur a cessé de fonctionner à cause de la batterie ». Ravija qui nous dit « il vient de comprendre la grammaire française, bravo ». C'est peut-être ça. Il faut une carte et une boussole pour comprendre la grammaire française. Hilary, il vient de comprendre une amie sœur. Qu'est-ce que ça veut dire, Hilary? Je ne suis pas sûr que j'ai compris. Essayez de reformuler, s'il vous plaît. Paula, il vient de comprendre que sa carte est inversée. Ah, il doit repartir. Il refait tout le chemin. Dans l'autre sens, Vouslat, c'est un voyageur qui a perdu son chemin. Et ça,
C'est pas raisonnable. Omar, il vient de comprendre que le chemin où il veut rester la nuit, ou l'endroit peut-être où il veut rester la nuit. Rubem, il pense qu'il a trouvé le bon endroit, mais il a tort. À vous penser qu'il se réjouit pour rien. Bickert, il vient de comprendre qu'il a trouvé sa direction dans la forêt en regardant le soleil. Eh oui. Stardust, il a compris. Le monde est grand et beau. Il y a beaucoup à découvrir. Allons le découvrir. Yulia, il vient de comprendre comment Picasso a dessiné ses chefs-d'œuvre. Alors là, c'est pas très très sérieux ça pour les amateurs de l'art. Laura, il est perdu mais heureux. D'accord, très bien, finalement. Renato, il regarde sa carte et sa boussole pour trouver son chemin. Daria, il vient de comprendre que le sens de la vie, c'est d'être heureux. C'est possible. Avec une carte et dans la nature. Ah, ben c'est ça la solution finalement. Nels, il vient de comprendre que le monde n'est pas plat. Ouais. Ah oui. Ah oui, peut-être qu'on a tous besoin de sortir pour comprendre ça. Sundar, il est heureux avec son expérience. Cosmina, il vient de comprendre qu'il se trouve dans un autre pays que dans lequel il croyait être. Ah, d'accord, vous pensez. Peut-être, des fois, on passe des frontières sans le savoir, c'est vrai. Victoria Posse, il vient de comprendre qu'il était perdu. Cherylyn, il vient d'apprendre qu'il ne sert à rien de s'orienter parce qu'il est fait de l'ego et ses créateurs le déplacent simplement vers la destination. Ah, peut-être qu'il peut marcher. Est-ce que les Legos ont une âme? Ça, c'est une autre question. Emre, il a remarqué qu'il était au bon endroit, peut-être. Mélissa, il vient de comprendre qu'il va être seul pour la Saint-Valentin. Ah, ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Il dit, ah, je suis perdu. Mais il a l'air heureux. Alors ça, c'est discutable. S'il est heureux pour la Saint-Valentin seul, c'est peut-être une bonne chose finalement. Roman, il vient de comprendre que parvenir à quelque chose n'est pas facile. Nous devons donc traverser de nombreuses difficultés. Roman, c'est notre philosophe du jour. Oh, merci beaucoup. Très bien. Et Julia qui dit, oui, les ours passent les frontières sans savoir aussi. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Si vous rencontrez un ours, n'allez pas lui saluer, lui serrer la patte, ça n'est pas raisonnable. Je crois qu'on doit, on doit oublier les sangs ne vont pas être atteints, ou alors il faudrait qu'il y ait une armée de gens qui arrivent et qui cliquent, ce serait idéal. Allez, à vous la parole. Je vous l'avais dit, hein, c'était le thème. On y arrive finalement. Eh bien, la question, c'est pour vous. Que représente la Saint-Valentin? Et je vous mets une belle illustration de Saint-Valentin, puisqu'il existe, hein, c'est ce personnage. Que représente la Saint-Valentin pour vous? Allez-y. Alors, c'est Mélissa qui commence et qui nous dit, un petit peu comme le personnage de Lego, moi aussi, je viens de comprendre que je serai seul pour la Saint-Valentin.
c'est pas grave, il faut relativiser toutes ces choses-là. Vishant qui nous dit, est-ce que c'est Valentine's Day en français? Oui, c'est ça. Nevanka qui nous dit que pour elle, eh bien, ça symbolise l'amour. Yossi qui nous dit, la Saint-Valentin représente la fête des amoureux. Luciana qui nous dit, dans mon pays, il n'y a pas de tradition de Saint-Valentin. Ravija qui nous dit « Juste une autre raison pour célébrer l'amour ». Yulia qui nous dit « Pour moi, c'est une fête américaine qui n'a pas existé dans mon pays quand j'étais une enfant ». Vuslat qui nous dit « Pour moi, le jour de la Saint-Valentin est un jour commercial ». Nels qui nous dit « Pour moi, la Saint-Valentin est représentée par un rendez-vous avec ma copine ». Stardust, « Cette journée est annulée pour moi ». Et j'en suis contente pour le moment. Aimeré qui nous dit « Je viens de comprendre qu'à cause du Covid, je ne pourrais pas trouver une petite amie. » Mais on ne sait pas. Il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Les miracles arrivent. Et si ça n'arrive pas, ça arrivera plus tard. Victoria, pour moi, la Saint-Valentin ne représente rien comme les autres jours. Mercurialman qui dit « Une bonne journée pour en trouver une nouvelle pour se remettre du chagrin d'amour. » C'est toujours dans la même logique. On a Mercurialman et Hero King qui sont sur la même longueur d'onde. Un clou en chasse un autre. Paula qui nous dit « Un jour où quelques-uns s'exhibent, tandis que tant d'autres se sentent à côté de la plaque. » Oh non, il faut... Oui, moi j'ai jamais fêté la Saint-Valentin, moi. Hillary, la Saint-Valentin représente des bonbons. Eh ben voilà, et du chocolat, ça c'est une bonne idée. Hero King, je pense à une blague que m'a racontée mon ami Jojo. À la Saint-Valentin, elle m'a pris la main, vivement la Sainte-Marie. Oh non, Hero King, c'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable du tout. Un petit peu de correction. Daria, c'est un clergé qui a fait une cérémonie de mariage en secret. Omar, pour moi, la Saint-Valentin n'est pas un jour spécial. Rubem, la Saint-Valentin, donc pour les rendez-vous, c'est ça, elle représente la célébration de l'amitié et de la réunion. Au Brésil, nous avons aussi cette fête. Olga qui nous dit l'amour, l'amitié, spécialement aux États-Unis. Sundar, la Saint-Valentin signifie passer du temps ensemble avec des amoureux. Cosmina qui nous dit Saint-Valentin est un saint qui est fêté dans les pays catholiques et qui protège les amoureux. Mélissa qui nous dit l'amour et Azaria qui dit « Je m'appelle Azaria ». Bonjour Azaria, bonjour, bonjour, participez. Essayons de cliquer. Si vous venez juste d'arriver, s'il vous plaît, cliquez. Peut-être qu'on arrivera au 100, j'ai un doute. J'ai un doute très 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 profond là. Alors, la dictée du jour, eh bien, j'ai décidé de faire des phrases pour parler de ma vie. Je me suis dit, pourquoi chercher des phrases? Hein, comme ça, je vous raconte ma vie, c'est plus simple. Et en même temps, vous êtes obligés... C'est des phrases assez longues. Hein, ce sont des phrases un petit peu plus longues. On y va. Il y aura des phrases, je vais les lire deux fois et vous allez les écrire. On y va. Ce matin, virgule... Je me suis demandé pourquoi les douleurs émotionnelles étaient aussi fortes que les douleurs physiques. Je répète. Ce matin, virgule, je me suis demandé pourquoi les douleurs émotionnelles était aussi forte que les douleurs physiques. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. «
Alors, Stella nous rejoint. Bonjour, bonsoir Stella. C'est bientôt la fin, mais ça n'est pas grave, participez. Nous faisons la dictée. Alors, regardons la phrase. Vous commencez à envoyer eh bien, vos phrases. Ici, donc, le verbe, c'était « se demander hein, », le premier. Donc, « je me suis demandé hein, », c'est du passé composé. Souvenez-vous, les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux « se demander » au passé composé vont utiliser l'auxiliaire « être ».« Je me suis demandé ». Et puis l'autre chose, alors une chose importante, douleur, c'est féminin. Donc ça veut dire que émotionnel doit être eh bien, au féminin pluriel. Nous sommes d'accord. Donc E-L-L-E-S, faites attention. Vishan, faites attention, vous avez oublié le S. Pour émotionnel, Julia B. Pardon, Julia, vous... Pourquoi B d'ailleurs Julia, vous avez oublié émotionnel au féminin pluriel. Regardons ensuite, c'était, eh bien, était, devait être à l'imparfait. Était, pluriel, E, accent aigu, T-A-I-E-N-T. Je regarde, ça a l'air d'être bien. Faites attention, Victoria Possé. C'était le pluriel. Hein. Les douleurs émotionnelles, donc le verbe automatiquement pluriel, était A-I-E-N-T. Ensuite, forte doit être aussi au féminin pluriel, puisqu'on est toujours dans les douleurs. Hein. Et puis après, physique. Physique, souvenez-vous, les adjectifs en ic, c'est la même chose au masculin ou au féminin. N'oublions pas le S pour le pluriel. Donc ce matin, virgule, je me suis demandé pourquoi les douleurs émotionnelles étaient aussi fortes que les douleurs physiques. Deuxième phrase. Petite seconde, je descends. J'aurais voulu pouvoir prendre l'avion pour aller dire bonjour à ma mère, virgule, il faut être patient. J'aurais voulu pouvoir prendre l'avion pour aller dire bonjour à ma mère, virgule, il faut être patient. Allez-y, écrivez la phrase, s'il vous plaît. Ice Cube qui dit, mais c'est pas une phrase, c'est un paragraphe. Non ! C'est une longue phrase. Alors, je regarde, ouais, c'est vraiment bien. Donc ici, nous sommes d'accord, j'avais envie d'introduire cette notion de regret. Souvenez-vous, quand on veut exprimer le regret, on va en général eh bien, utiliser le conditionnel passé. J'aurais voulu, donc c'est le verbe vouloir, qu'on met au conditionnel passé, ça veut dire que j'aurais doit être écrit A-I. S, d'accord ? J'aurais voulu, et là effectivement, ben c'est le regret. Pouvoir infinitif, prendre infinitif. Ça, Julia, c'est pour vous faire plaisir. Hein. C'est pour vous faire plaisir, trois verbes à la suite. L'avion, pour
aller dire, deux verbes à l'infinitif, bonjour à ma mère, virgule, il faut être patient. Je regarde et non, vous avez bien écrit. Donc ça, c'est vraiment bien. Faites attention, l'avion, hein, donc L apostrophe, ouais, Berilla, attention, hein, c'est pas la avion. Alors, avion, c'est masculin, donc idéalement, ce serait le avion. Mais en fait, comme vous commencez avec A, le E, comme d'habitude, disparaît et vous mettez l'apostrophe. Voilà, donc effectivement, beaucoup de verbes, et ça fait plaisir à certaines personnes qui aiment les verbes. Allez, on continue avec la troisième phrase. Si vous n'avez pas encore cliqué sur like, s'il vous plaît, allez-y. Bah oui, Cosmina, dans quelques semaines, on fête les mères, mais oui, mais on ne peut pas voyager. Et ça, c'est un petit peu triste. Enfin bon, et c'est difficile pour les gens seuls. Hein. Allez, la phrase suivante, la voici, elle est assez longue aussi. En ce moment, virgule, dans le nord de l'Europe, virgule, on peut remarquer que les jours rallongent et dans 3 mois, virgule, nous n'aurons plus de nuit. Je répète. En ce moment, virgule, dans le nord de l'Europe, virgule, on peut remarquer que les jours rallongent et dans 3 mois, virgule, nous n'aurons plus de nuit. Écrivez cette très très longue phrase. Alors, je regarde, excusez-moi. Pardon, est-ce que j'ai cliqué ? Non, pas encore, voilà. Donc, voici notre phrase. Je regarde, globalement, c'était vraiment bien. Donc, en ce moment, n'est pas problématique. Dans le nord de l'Europe, idéalement, Europe avec une majuscule, hein, comme vous le voyez ici. On peut remarquer, le verbe, c'est « pouvoir ». Peu, faites attention, Omar, hein, P-E-U-T, d'accord. Deuxième verbe à l'infinitif, remarquez. Que les jours rallongent, alors le verbe c'est rallonger, d'accord. Et dans 3 mois, nous n'aurons, alors ça nous sommes d'accord que c'est le verbe avoir, qui est au futur. L'année Maya, bonjour, bonjour, nous finissons notre dictée. Donc c'est le verbe avoir. Au futur, nous aurons, et donc là bien sûr, négation, ne plus, nous n'aurons
plus de nuit. Alors après nuit, bon, c'est vrai que ça peut être un petit peu discutable. Bon, la plupart, amis comme moi, hein, au singulier, le mettre au pluriel, ce serait un petit peu étrange. Et Cosmina nous dit, nous ne pouvons pas voyager, mais nous avons Zoom et vidéo sur WhatsApp. Oui. Oui, mais ça fait longtemps quand même. Ça fait très longtemps que je suis en contact avec ma maman uniquement par ça. Et moi, j'ai envie de l'emmener pour voyager, faire des choses. Mais bon, c'est vrai. Allez, on continue avec notre quatrième phrase. La quatrième phrase, la voici. Elle est aussi assez longue, mais pour le moment, tout va bien. Je dis bravo. À côté de chez moi, virgule, il y a une plage qui me permet de me baigner dans la mer en été et aussi de faire du patin sur la mer en hiver. Je répète, à côté de chez moi, virgule, il y a une plage qui me permet de me baigner dans la mer en été et aussi de faire du patin sur la mer en hiver. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Mais écoutez, pour le moment, tout va bien. Je regarde. Alors, les difficultés, je ne sais pas. Est-ce que c'était les verbes? Pour l'instant, je ne vois pas d'erreur. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de difficultés. Donc, bon, bah, le premier verbe, hein, c'est permettre. Permettre qu'on conjugue ici au présent. Troisième personne du singulier, permet, P-E-R-M-E-T. Hein, donc, ça, c'est logiquement pas très très complexe, de me baigner. Souvenez-vous, hein, infinitif, se baigner. Vous devez mettre le verbe à l'infinitif, mais systématiquement, le pronom devra être adapté en fonction du sujet. Donc, qui me permet de me baigner. Dans la mer, après, faire du patin, bah, écoutez, patin, je regarde. Non, vous l'avez bien, bien écrit. Faites attention, Berilla, ça n'était pas du bateau. En hiver, ça n'est pas possible. La mer est complètement dure. Le bateau ne peut pas aller dessus. Vincent patineur, mais tout à fait. Patineur artistique, même. Enfin, artistique parce que je tombe. Sur la mer, donc là, c'était la préposition sur. Hein, et en hiver, donc on avait les deux saisons, été et hiver. Faire du patin, ça veut dire quoi? C'est ice skating. Faire du patin. Patiner, si vous préférez. Allez, si vous ne l'avez pas fait, soyez gentils, cliquez sur like. Parce que on n'a pas atteint les 100 et je suis triste. Alors, bien sûr, ça n'est pas cette semaine, mais c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, demain, on fait une pause, comme d'habitude. Le dimanche, on est tranquille.
Alors, bonne Saint-Valentin, si vous faites la Saint-Valentin, moi je serai avec mon fils Nicolas et je vais probablement faire du patin, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un moment très sympathique. Moi, c'était formidable, comme d'habitude. Je vous souhaite de passer un très 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 bon dimanche. Et attendez, je vais déjà mettre le bon... Voilà. Et je vous propose, eh bien, tout simplement de marcher avec moi sur la mer. Si vous n'avez jamais marché sur la mer, eh bien, c'est une expérience très, très sympathique. Donc, prenez quelques minutes, regardez et marchez avec moi sur la mer. Au revoir et à lundi.
French. Learn today. Learn for free. Learn your way. Learn French with Vincent. Let's go. The best French teacher on the low. Learn French. Learn today. Learn for free. Learn your way. Learn French with Vincent. Let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3. Subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast. Young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent A to Z. Learn French with Vincent today.